de prototype. Donc je sais pas si vous êtes si c'est des choses que vous avez déjà entendues, cette notion de prototype. C'est normal, ça n'existe pas en vrai, c'est une espèce de jargon. Donc en gros, c'est plutôt, alors faut pas le voir comme des règles établies, c'est plutôt une philosophie. Donc si vous voulez vous renseigner plus dans le détail, vous pouvez aller voir les travaux d'Elalamy Lafky et particulièrement d'Alberto Savoia qui développe pas mal en fait toutes les typologies de prototypes. Alors comme on est super malin, on a compris que c'est un néologisme, hein, c'est pré prototype, donc un prototype qui arrive avant le prototype. Et en gros, l'objectif de ce truc, c'est tout bêtement de mesurer en fait le plus tôt possible dans notre process l'attractivité de notre idée en mesurant l'intérêt des utilisateurs, donc l'intérêt avec un investissement minimal en temps et en argent. Et on va parler en fait d'intérêt initial et d'intérêt récurrent. Donc en gros, les questions qu'on va se poser, c'est tout simplement ça.